Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure où attendez nous. Quand j'ai centre de recherche d'analyse géopolitique. Mais maintenant, nous sommes là dans le sanctuaire, là où nous adorons et chantons le Seigneur. Là, on n'a pas d'autres paroles à dire pour offenser le Seigneur ou encore les gens. Mais là, c'est la parole de Dieu. Oui, l'Éternel en tout lieu, lui qui créa le firmament, louez, louez-le constamment, louez-le jusque dans les cieux. Unissez aux plus belles voix, et la trompette de hautbois. Faites résonner tout à tout, et la musette et les tambours. Louez l'Éternel en tout lieu, lui qui créa le firmament. Louez, louez-le constamment. Louez-les jusque dans les cieux. Nous te remercions, Seigneur. Nous te disons merci pour le pain de vie. Octroie-nous en ce moment une douce portion du Saint-Esprit, des langues de feu, l'esprit de discernement pour annoncer avec force et dernier message des trois anges. Nous t'en prions ainsi, au nom de Jésus, à lui qui vit, qui règne et qui demeure. Mais par-dessus tout, inscris le nom de chacun de nous ici, présent en lettres d'or dans ton livre de vie. Nous t'en prions ici, par le sang de Jésus qui a été coulé pour nous sur le bois infâme du calvaire. À lui soit la gloire, l'honneur et la magnificence au siècle des siècles. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs, c'est avec un grand plaisir que nous sommes là. Dans Apocalypse 20, verset 12, verset que tout le monde connaît, Apocalypse 20, verset 12. Il est dit, et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Et un autre livre furent ouverts. C'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ceux qui étaient écrits dans ces livres. Ces livres, je vois. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Nous connaissons son verset, nous tous connaissons. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, c'est lui-ci. Est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon ce qui est écrit dans ces livres. Il y a plusieurs livres. Déjà, en logique humaine, capable de trouver comme tout adventiste ou bien tout le monde connaît. À la tribunal ou habitué, etc., des registres, etc., qui sont destinés à cet effet. Plusieurs registres enregistrés, tout là, etc., etc., registre des cas, on reprend. Qui est une fois tout cas pénal, registre supplétif, tout réquisitoire supplétif, registre réquisitoire déformé, registre qui prale tout dossier qui allait dans le cabinet d'instruction avec RI, registre tout appartage, registre tout officier d'état civil, registre, etc. Ça, c'est bagage sur la terre. Mais maintenant, si nous considérons les livres qui sont ouverts dans plusieurs livres, livres de vie, livres de la mort, livres du péché, on comprend ça veut dire si il y a un livre de vie, et comme si nous sommes capables de dire son parallélisme, on comprend si il y a gauche, il y a droite, il y a rouge, il y a, on comprend, il y a verte, on comprend qui permet d'aller son duel la vie, et si il y a la mort, il y a la vie, on comprend si il y a la justice, il y a la justice, si il y a ici, il y a ailleurs, etc., etc., il y a des bagages qui marchent à deux. Et bien, si il y a un livre de vie, automatiquement, il y a un livre de la mort. Si il y a un livre de vie,
automatiquement gagner livre de la mort ou encore livre du péché. On comprend? Livre de la mort ou encore livre de la mort aller ensemble avec livre de vie. Depuis qu'il y a livre de vie, l'autre parle de cela dans là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, il y a un livre de souvenirs que nous tous nous habitués ensemble avec. Dans Daniel 11, ça c'est l'autre ça. Daniel 10, bien entendu. Le verset 21. OK, page 890. Pas bien dire des livres ou gata ouen ou ensemble des bagailles. Mais, OK, page 890, Daniel 10, verset 21. Nous mettons noter ça, hein. Nous comptons le mais notez ça tout, hein. Parce que. Mais, je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre. Qui livre? Livre de vie, livre du péché, livre du souvenir. Ça, c'est toi, ça, nous dans l'église, dans la tradition. Mais la logique humaine, lui aller avec au-delà. Ok. Je reprends. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef, etc. Dans le livre de la vérité. Et dans Apocalypse 20, nous sommes ensemble avec quoi voilà. Apocalypse 20, verset 12, il dit, des livres furent ouverts. Livre de vie, si il y a livre de vie, Dieu l'a toilé, livre de la mort, livre du souvenir, livre du péché, livre de la vérité, tout qui va ouvrir dans le ciel. D'où, il n'a pas permis à n'importe qui pour placer, pour capable juger, pour capable dire qui est capable de sauver, qui est capable de sauver. Et d'ailleurs, c'est là son ciel, surprise. Nous pensons que tu as sauvé, ce n'est pas capable de sauver. Nous pensons que tu as sauvé, c'est eux qui ont sauvé. Et Jésus-Christ a dit, les prostituées ont devancé nous dans le royaume celle-là, nous-mêmes des docteurs de la loi, des pharisiens, des grands anciens, des grands frères. Bah, du verset. Mais le verset qui m'intéresse, on ne sait pas ce que m'a fait là-dedans, m'a prêté, c'est dans Matthieu 16, le verset 18 et 19. Et nous tous connaissons. Page 970. Matthieu 16, versets 18 et 19. On sait ce qui passe. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Petros. Et sur cette pierre, Petra, rock solide. Je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne proviendront point contre elle. Okay. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux à Pierre. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et ça fait qu'un monde dans l'église basilique Saint-Pierre ou Pierre. En roi sous dominant, ensemble avec Pierre Croisat, en gros clé dans le depuis ouvert ou fermé. L'église a depuis excommunio, le Seigneur d'accord. L'église a depuis radio, le Seigneur d'accord. L'église a tout ça ou fait parce que l'Éternel te baille Pierre pour voir. Mais Pierre, c'était le docteur qui t'a enseigné dans l'époque. Dans l'acte 15, il y a un problème dans le revenu contre Pierre, Pierre te posé problème dans le problème inséconscient, ensemble avec Paul, Timothée, etc. Pierre résolu. Les Pierre pral mourir. Il rappelle que maintenant tu dis, je te ferai pécheur d'homme, un paradoxe. Puis devant, il va dire, je ne pas digne pour mourir même avec maintenant, il n'y a pas de tête en bas. C'est-à-dire, des pieds en l'air, tête en bas, il va mourir même avec Christ, à l'inverse, tête en l'air, pied en bas. Il dit, pas digne parce qu'il connaît le tape sublime. Mission de Dieu, quand tu seras converti, affermis tes frères, affermis vos frères. C'est la mission qu'on a donnée à Pierre comme docteur pour qui enseigne mon Dieu, ancien comme moi. C'est ça le bral dit. Ancien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, vous posez problème non résolu. Et mais Pierre, pour le mission ça que l'église, vous pral abuser yo de la donne. Toute église, vous pral abuser yo de la donne. Et mais on regarde.
Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ça nous capable de retirer là pour nous capable d'entrer dans un élément bienheureux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est l'action principale. Mais en garde. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. C'est phrase. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Cette phrase renferme deux verbes parce qu'elle a deux propositions à un mode personnel. Première proposition. Sera lié dans les cieux. Regardez bien. Elle est principale. Deuxième proposition. Ce que tu liras sur la terre. Elle est subordonnée relative, introduite par le pronom relatif que, ayant pour antécédent cieux. Je reprends. Ce que tu liras sur la terre. Ce que tu liras sur la terre. Le pronom relatif que qui trouvait, le pronom relatif que qui trouvait dans ce que tu liras sur la terre, il n'est pas capable de phrase principale là. Parce qu'il y a un pronom relatif que. Mon guide fait analyse logique. Nous comptons ça. Sera lieu dans les cieux. Ce sera lieu dans les cieux. C'est lui-même qui. Phrase principale là parce qu'il n'y a pas de pronom relatif qui est là-dedans. D'où, soit analyser logiquement phrase ça, sans parler dans un verbe qui a un aoris là-dedans, etc. Ça m'a fait une autre phrase qui est apodose, épodose, c'est-à-dire l'apodose, épodose, ou encore c'est-à-dire action principale, ou encore verbe principal là, ou encore thème principal là, et action subordonnée, c'est là où elle dit l'apodose, épodose, c'est m'a fait analyse exégétique, etc., structuraliste pour nous capables de garder, etc. Non. Ma prendre simple parce que nous avons bien pour nous retourner sur ça dans le genre de compagnie. Regardez. Je recommence. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Des points. Ce que tu liras sur la terre. Il n'est pas capable ce que tu liras sur la terre. Parce qu'il y a un pronom relatif que la donne. En d'autres termes, soit banaliser cette phrase-là, il y a deux propositions. Tu liras. Avec verbe lira, on prend et se rallier. Ces deux propositions, ça y est, de même pour l'autre là tout. De même pour l'autre là tout, sera délié. On prend ces mêmes propositions en aller. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Remplacez les lettres par les valeurs. Si ma tante est celle d'homme, de toujours vous tenez l'esprit, groupons les thèmes semblables. Et ça, ou à la patate, etc. Les thèmes semblables parce que c'est en addition. Et, ok. Mais dans l'analyse logique, première proposition qui va dans la phrase principale, là, il n'y a aucun pronom relatif là-dedans. Ça veut dire qu'il doit être simple parce que c'est les mêmes bases. Qui dépend de toute notre phrase, c'est l'action principale, c'est la podose et podose. Ok. Maintenant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, pour terminer, sera lié dans les cieux, futur antérieur, elle est principale. La première proposition sera lié dans les cieux, elle est principale. La deuxième proposition, ce que tu liras sur la terre, elle est subordonnée relative par le pronom relatif que, ayant pour antécédent cieux. Cette phrase enferme quatre propositions parce qu'elle a quatre verbes en mode personnel. Première proposition, par exemple, si on apprend mambam, on prend pour apprendre ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. Cette phrase enferme deux propositions, si on prend première ou bien si on apprend tout en ensemble. Nous sommes capables de dire quatre propositions. Mais nous prenons deux par deux, ok, pour ne pas troubler. Nous prenons deux par deux. Nous prenons premièrement, ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. Deux propositions. Ce que tu liras sur la terre,
deuxième proposition sera lieu dans les cieux. Qu'on y a la première proposition sera lieu dans les cieux. Le verbe est au futur intérieur. Sans balan grec, sans balan rien, etc. Nous ne parlons pas de ça. On le voit. Sera lieu dans les cieux. Elle est principale. Cette phrase. Ok. La première proposition sera lieu dans les cieux. Elle est principale. Mais en garde ton verbe là dit au futur antérieur ce que tu liras sur la terre. Elle est subordonnée relative introduite par le bonheur relatif qui est en pointe et c'est d'où futur antérieur, une action qui était faite dans le passé qui a continué dans le présent. Qui est-ce qui radio? Qui va oublier? C'est dans celle-là. Qui va oublier dans celle-là? Qui va ouvrir dans celle-là? C'est les futurs antérieurs là, le gars dans le passé, ça veut dire où tu fais fornication pour que tu aies fruit. Tout le monde qui a fait à l'église pour radio. Parce que c'est fornication à fruit radio. Mais depuis l'autre te fait fornication en futur antérieur, celle-là te gâte radio. Quand y a là, l'église pour la radio, c'est le bras qui a fruit. Et laisse à l'église pour la radio. D'où sera lié dans les cieux ce que tu liras sur la terre. C'est ça fait deuxième proposition, ce que tu liras sur la terre, il pourra au futur. Parce que passé en futur antérieur à en fait et futur simple en lui-même libéral accompli. C'est celle-là la radio. En d'autres termes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, c'est ça que je voulais dire, vous m'avez à loin. Celles-là sont celles surprisées. Gardez mon nous pensez t'ap sauver, vous pas sauver. Gardez mon nous pensez pas t'ap sauver, c'est vous pas sauver. Ça veut dire les livres sont dans les cieux. C'est sera lié dans les cieux. Futur antérieur. Yon action te commande fait dans le passé qui a continué dans le futur. Futur antérieur qui français a dit. Et tandis que sera lié, et tandis que ce que tu liras sur la terre, pas terre là, lui-même lit au futur. Terre là va confirmer ça que tu fait dans celle-là. Celle-là sont surprisées. Même dans Esaïe 57 dit là, il dit mon Dieu a enlevé à cause des abominations qu'il a fait. Mon nous pensez t'absorber ou pas absorber, mon nous pensez pas t'absorber et vous absorber. Que Dieu vous bénisse.